Salut les amis, aujourd'hui on va découvrir ensemble un modèle historique, la Rabbit de chez MRC. Alors c'est un modèle des années 80, celui-ci c'est le 2 roues motrices. Alors plus en détail, on retrouve ces fameuses jantes rouges avec ces gommes avec un dessin très particulier pour l'avant. Et à l'arrière, les gros picots classiques de chez MRC. Au niveau de la carrosserie, on avait des planches de sticker avec toute une liste de variété d'autocollants. Alors des pétroliers, hein, Castrol, Shell, Auto, Ford, accessoiriste, hein, Kony, Marshall, Firestone et le fameux Porsche avec son cheval cabré de Stuttgart. Voilà, sur la partie avant, on a le Texaco, le superbe autocollant MRC, hein, modèle Racing Car. Le Goodyear, le Texaco. On avait un petit pilote qui était intégré à la carrosserie. De ce côté, toujours du Castrol, Goodyear, Marshall, Firestone, Shep, Agile, Castrol et Texaco. Voilà. Et le Mollicote bien sûr. Donc ce modèle des années 80, il avait la particularité d'avoir des épingles pour faire office d'amortisseur. Donc on voit qu'on n'a pas d'amortisseur avec des corps classiques. Il y a simplement une épingle qui fait office de renvoi. Voilà, donc on va lever la carrosserie pour regarder plus en détail l'intérieur de la voiture. Alors on l'a laissé totalement d'origine bien sûr. On a un boîtier à piles, un récepteur qui doit avoir une trentaine d'années, hein, c'est un gros fer, à quartz bien sûr. Voilà, ça se présentait comme ça. Il y avait un renvoi de direction avec un ressort déjà. Les servos étaient fixés sur le platine supérieur. Et alors là, on s'aperçoit que la tringlerie, elle est inversée puisqu'elle est complètement sur le châssis. La partie moteur. Donc ici, on retrouve le moteur d'origine. Avec son filtre et sa ligne d'échappement qui est très particulière puisqu'il y a un tube de fuite qui l'amène vers l'arrière, mais ça donne aussi son look et son originalité. Sur la partie arrière, on a un gros boîtier carré sur lequel sont montés les triangles inférieurs et supérieurs du train arrière. Avec les fameuses épingles qu'on retrouve ici. Voilà. Et là, comme c'est un 4-2, on a la transmission arrière avec les cardans de chaque côté. Ils sont bien en place, effectivement. Et devant, il n'y en a pas. Voilà. On a la roue libre hein, complètement, puisque c'est le modèle 4-2. Voilà, de l'autre côté. Le réservoir, hein. Donc il était implanté comme ça sur le platine supérieur. On avait bien sûr l'antenne pour l'émission. Et alors le dessous du châssis. Ici il est en excellent état. Je crois qu'il n'a pas une seule rayure, une petite rayure ici et là, mais c'est vraiment
une pièce nette. Ouais, parfaite. Le volant. Neuf. Voilà. Voilà, on voit plus en détail le moteur. Donc voilà, c'était pour un petit tour d'horizon de cette voiture vintage des années 80, la Rabbit 4.2 de chez MRC. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao !